Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Vince. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'Iron Man Challenge. Nous sommes. Le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous en sommes donc à l'épisode 10, toujours dans l'endroit où nous sommes depuis 3 épisodes, c'est-à-dire la marche de l'Ouest. Nous nous dirigeons vers la colline des Sentinelles pour aller voir ce que nous cache la suite de cette aventure. Donc, à savoir que nous avons commencé par une enquête que nous donne Horatio Lane, qui permet de découvrir que les meurtriers du fermier du coin ne sont autres que la bande de Defia, qui était censée avoir été démantelée après la mort de Edwin Van Cleef. Parce que bien sûr, nous avons tué Edwin Van Cleef avant Cataclysme. Espérons que je puisse courir sans me faire tuer. Non, je vais mourir, ouais. Je vais mourir là. Donc l'Iron Man Challenge, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je n'ai pas le droit de mourir. Pour les deux plus importantes règles, je n'ai pas le droit de mourir et je n'ai pas le droit de porter des objets autres que gris ou blanc. Et je n'ai pas le droit de spécialisation non plus. C'est déjà... c'est pas mal. Après, pour les règles, les autres règles, allez voir directement dans la description de la vidéo qui sont en dessous. Et oui, webcam encore nouveau, nice, cool, trop fat, trop génialissime. Et nous sommes donc à la colline, à la tour des Sentinelles, bien sûr, pour aller voir le capitaine Dannebarg. Que nous dit-il? La situation est critique ici, mais d'autres régions ont aussi littéralement été dévastées par le grand bouleversement cataclysmique. J'ai entre les mains un rapport du capitaine de la garde Parker, qui patrouille Carmine, l'un de nos territoires à l'est de la forêt des mines. Il requiert l'aide d'un héros. Et vu que j'ai dans le Carmine, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter le suivi ici. Un plaisir de vous rencontrer. Que vas-tu, toi? Vous avez déjà entendu parler du Capitaine Grayson? Je pense que c'est avec des fantômes. La lumière qui bénisse. Comment vas-tu, Espérance? Bonjour, Espérance. Oh, nice! Nous faisons au fait 100 qui est achevé. A savoir que le au fait 100 qui est achevé, je l'ai déjà fait, genre level 85, un truc comme ça, 90. Genre masse level par rapport à ça. Tellement simple en normal. Je ne propose que les meilleures marchandises. Ça m'arrange parce que j'ai besoin que les meilleures marchandises. On va acheter de la bouffe parce que j'ai remarqué que j'ai besoin parfois de nourriture et que je n'en arrive pas. C'est bien la première fois que je me dis ça dans vos. Donc ce qu'on va faire rapidement, on va prendre interface, on va aller dans barre d'action, on va rajouter par inférieur gauche, on va mettre la bouffe dedans. Putain, c'est vraiment. Enfin, j'ai vraiment l'impression de jouer à l'ancienne. Toi, tu dégages parce que t'as. Que 100 trucs, tu ne mets que 100 PV. Qu'en va le maréchal Grian pour la défense de la marge de l'ouest? Comment l'affection dans les Grayson a pris fin? Je suis revenu dans la marge de l'ouest et bien pire état que lorsque je l'avais quitté. Le coup de la guerre a provoqué la ruine de milliers de foyers. Ils émigrent ici, maintenant, et s'installent sans autorisation sur les terres, les fermes désertes et dans les villes de la région. Ok, Mignol. Je peux vous aider? Bon allez, allons tuer des gnolls. On va prendre le fly, parce que c'est important, donc le PNJ ici qui nous permet de voler, bien entendu, et de nous déplacer. Je vous souhaite une bonne journée. Qu'est-ce que tu dois voyager, vous pouvez vous. Enfin, je pense que vous connaissez quand même. Vous cliquez sur voler, puis vous vous envolez dans l'endroit. Wouhou! Ce qui est cool avec les pandas, c'est grâce à un passif qui se nomme, je ne sais plus comment, mais que je suis en train de regarder, rebondir. Les dégâts que l'on subit en cas de chute sont réduits. Ça c'est fade, du coup je peux sauter de masse haut. Je pourrais peut-être faire le fait 65 mètres sans mourir. Parce que c'est mon but, hein. Enfin, je mets des petits challenges comme ça en plus de l'air, mon challenge. Genre 65 mètres sans mourir. Savoir que si vous êtes 60 mètres, vous êtes mort. Sauf si vous avez une bulle paladin, mais sauf que je ne peux pas mettre de bulle paladin vu que je suis un panda, chaman, et que je n'ai pas le droit aux améliorations. Oh fuck off, pourquoi je me suis attaqué par lui? C'est pas grave. On est trop fort. Ok, ok, fuck off. Eh les gars, je peux mourir là. Je me casse. C'est quoi ça déjà? Ok, nice. Débarrez-vous, putain de gueule, je vais mourir. Nice, putain. Ah le bâtard, il m'a pris mon mob. Quel enfoiré. Quel enfoiré.
Quel enfoiré! Bon, c'est pas grave, je suis vivant. C'est tout ce qui compte. On va faire attention, putain, j'en ai pris 3 et je peux me faire des pops. Ce sort n'est pas encore prêt. J'ai failli me faire des pops, les gars. J'ai failli me faire des pops. J'ai peur. Pourtant, il y avait de quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sceller les gardes. On va dépop tous ces connards pour faire la quête comme on veut. Mais un mec doit se demander quoi, parce qu'il faut savoir que je pense que les nouveaux joueurs ne connaissent pas, hein, l'Iron Man Challenge, etc. C'est pas un truc qui doit les intéresser énormément. Après, ça dépend, hein, bien sûr, je fais des amalgames, mais ça. Ça dépend. Pas encore lancé ce sort. En tout cas, moi je vous conseille, c'est sympathique, ça change un peu. Ça permet de découvrir des choses aussi. Alors regardez, vous voyez, j'ai un seul perso dans les deux, ce qui me semble. Et là, ça me permettra sûrement de faire des scènes que je n'ai jamais faites. Nice. Ordre d'attaque. Mais voilà, c'est ça qu'on veut. Finir les quêtes en même temps. Par contre, j'aimerais bien un peu de stuff. J'y vais au PNJ, parce que les PNJ, ils doivent vendre des... Ils doivent vendre des armures grises. On est bien là. Tant qu'il n'y a pas de truc qui pop, on est bien. En fait, ça va être trop la misère. Ça va être trop la misère, les gars. C'est toujours en cours de recharge. Regarde à toi. Tu es pour moi. Je ne peux pas encore lancer ce sort. Ils sont stylés, ces gardes, non? Ça peut. C'est juste simple, garde de la queue des sentinelles. Ça pourrait m'être utile. Oh merde! Vous avez vu les dégâts que j'ai pris? Faut que je fasse vraiment attention. Les brutes, elles rigolent zéro. Si se mettent en mode rage, là, elles m'arrachent la tronche. Effectivement, que j'ai mes totems. Hein. J'ai quoi? J'ai totem incendiaire. Ça me fait un peu dégâts. Mon réogivre qui va me permettre de kiter, ça va être sympa aussi. Ça, ça va me permettre de kick la cisaille des lances, ça va être sympa. D'interrompre la cible. Hein, des... C'est un petit peu de question. Si tu me prends cédeur, je sais pas trop ce que ça sert. Mais mon terre de feu, c'est un gros burst. Je dois me rapprocher. Je ne peux pas encore lancer ce sort. Et puis la BL, tout sympa aussi. Hein. L'héroïsme. Le maléfice qui va être très utile. En dehors, c'est la tempête, vous imaginez même pas. Des vents de 120 km/h ou plus. Oh non, il va mourir. Parce que je suis mis en date. Ce sort n'est pas encore prêt. Voilà. Je lui ai mis mon date. Ça, je ne peux pas faire. Alors, l'herboriste arrive pas de bon. Attends, je tue les monstres. On va lire lesquels. Autrefois, nous nommions la milice du peuple. Aujourd'hui, nous combattons sous la bannière de Hurlevent. Avec le soutien total du roi Varian Vryn. Nos objectifs sont nombreux dans cette région. Nettoyer le gâchis laissé par les Défias et étendre le contrôle de l'Alliance. Pour le moment, nous avons échoué sur tous les fronts. Ouais, voilà. Bon, comme ça, c'est nul, hein. Ouais, bon, alors je perds quoi ici? Sans abri de la marche de l'ouest nourrie. Ils sont bien, mais. Tiens, il y en a un qui piote là. Coucou! Ça va, loulou? Offrir du ragoût, tiens, mange un peu de ragoût. C'est bon le ragoût. Je ne suis pas prête. Pas prête. Mais je comprends que tu n'es pas prête en même temps. Prête à nourrir des sans-abri comme ça sans rien demander en retour. Je voudrais qu'on retourne 900 XP, j'ai même pas besoin. Après, en général, bénévolat, c'est cool. C'est gentil, j'en ai. On fait du bénévolat pour l'Alliance. Histoire de faire en sorte que les sans-abri se sentent aimés par le monde. Citoyens de Hurlevent, sans-abri. Je ne suis pas prête. C'est en cours de recharge. C'est en cours de recharge. Allez, nous en sommes à 6 sur 20. Ça, on a créé la dalle. Ah, nice. On peut être plusieurs en même temps. Je suis con. Je ne peux pas encore utiliser cet objet. En même temps, j'ai dû faire un ticket une fois dans ma vie. Encore, je suis même pas sûr. Si j'ai dû faire. Ce qui dit Luck Modern Carmine, j'ai pas fait. C'est quoi là? Quête de l'Ouest. Ah, si, je sais pas. Bien sûr que je les ai fait. Mais voyez-vous,
Je ne me rappelle pas. Je ne suis pas marmite, voilà. C'est en cours de recherche. Au dragon à chacun. Une marmite de ragu. Avec la tempête. Non, mais fouille-toi, barre-toi, s'il te plaît. Non. Je me casse. Mais trop cher. Mais trop cher. Je ne suis qu'un pauvre panda perdu au milieu des humains. Avec un objectif insurmontable. Monter un maximum de level. Monter un maximum de level. Ah, c'est pas mal. Sans stuff, il n'y a rien, ni ami. Je suis un peu triste, voyez-vous. C'est pas comme si vous attendez à se. Je dirais pas casualiser, mais se solotiser. J'ai eu un débat hier avec un ami, moi. Tout intéressant. Sur la solotisation de World of Warcraft. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que WoW devient plus solo qu'avant? Comment? Dans quelle mesure? Parce qu'en discuter avec soi-même, c'est pas vraiment génial. Si jamais vous voulez en discuter, eh bien go. Ça me ferait plaisir. Tu vas commenter dans la vidéo. Tu vas mourir. Me branler, meurs, branler. Je te l'éclaire dans la bouche. Là. Tu es mort. Allons rendre les quêtes. Nous sommes donc level 14 et demi. Ça progresse. Toujours dans la marge de l'ouest. Toujours alliance, toujours panda. Always. Panda. La lumière soit avec vous. C'est rare rien que je récupère tout ça parce que je ne peux pas visiter les. Que la lumière vous bénisse. Faire ce qu'on va les vendre. Sur les gueules, ça ne rapporte pas d'XP. On s'en fout. Hein. C'est bien dommage d'ailleurs. Vous avez besoin de quelque chose? Ah, 3-6. Je peux mettre ça? Non, moi j'ai 6-10. T'as les plus sur route comme en vrai quoi, c'est triste, c'est déprimant. Honneur au roi pour l'alliance. Pourquoi ils sont. Ils ont attrapé un warg. Hey bro. How are you? Ah, me too. Alors, nous sommes donc partis dans le. Ça, c'est un truc que je déteste dans la marche de l'ouest, c'est qu'il faut marcher pendant des plombes. Ah merde, putain, mais je suis débile aussi. Oh là là. J'ai la monture. J'ai la monture qui me permet d'aller plus vite. Putain, mais j'avais. Ouais. On va faire un truc. Est-ce qu'il n'y a pas une boîte aux lettres tout près? Est-ce que j'ai cliqué dessus au moins? Ouais. Vous rappelez que j'avais les sous à récupérer dans le dernier épisode. Dans l'avant-dernier. Est-ce que je peux encore les récupérer? Je pense pas, hein. Trop tard. Bon, bah, tant pis, j'ai perdu des sous à la HB, je les recevrai jamais. C'est mal triste. C'est mal triste, une fouet. Coffre déchaîné, allons-y. Non, nous allons. Nous allons bot lane, pas du tout. Parce que nous ne sommes pas sur League of Legends, nous sommes sur World of Warcraft, parce que nous allons south. C'est dans le site de la map. Histoire de continuer à avancer. On en perd la quête. Janko. Sale Quaid. C'est un cochon, hein. Non. Sale Quaid. Que sont que ces porcs? Qu'est-ce que sont ces porcs? Non, alors, bon. Ça, c'est la quête que je détestais à l'époque. Donc, vous imaginez un petit peu. Donc, vous êtes là, comme ça. Votre but est d'aller genre là-bas, sachant qu'il y a des gueules partout autour, donc vous en avez un gros 1, vous en avez un gros 2, vous en avez un gros 3, vous en avez un gros 4. Au final, vous en avez un gros 8. Et vous allez vous faire défoncer la gueule. Parce que vous n'avez pas le stuff héritage, encore moins le stuff vert, encore moins de spécialisation. Donc continuons. Allons par là. Nous avons l'objectif à tuer. Là, je suis obligé d'en tuer deux en même temps, c'est hyper dur. Bon allez, go. N'ayons pas peur. Espérons que l'autre n'aggro pas, parce que c'est forcément qu'il aggro. Ok. Qu'il est où là?
Tiens, hop, je te contrôle. Ta compétence n'est pas prête. Voilà. Je ne peux pas encore lancer ce sort. C'est toujours en cours de recharge. Nice. Je ne peux pas encore lancer ce sort. Ouais, nice. On s'en sort, on s'en sort. Heureusement qu'il y a un contrôle passif dessus. Merde, il va pouvoir passer avec le sang et j'ai rien pour le cas. Good eye. C'est toujours en cours de recharge. Papa, ta gueule. Dans ta gueule, l'odol. L'oignon. Dans ta bouche. T'as pété la gueule, les amis. Je dois vous laisser là-dessus parce que franchement, le temps passe très vite et je pourrais faire des vidéos trop longues. Donc, je vais déjà vous quitter là. La prochaine fois, on ira, je pense que ce sera l'assaut sur le camp de Gnoll. On va essayer d'aller chercher tout ça, de tous les tuer, ces saligots. Donc, je vous dis à très soon pour la vidéo suivante de l'Iron Man Challenge. En compagnie de moi, tout seul. Bah oui, avec ma bière. Bon, allez, à bientôt. N'hésitez pas à aller sur Facebook, sur Twitter. Ça, c'est mon ancien micro, vous pouvez savoir. N'hésitez pas à aller sur Facebook, sur Twitter. C'est bien déjà. Et mettez un pouce vert aussi. Partagez avec vos potes. Allez voir Zelk. Qui fait des guides sur Pass Exile. Faites le tour, quoi. Visitez. Laissez-vous tenter. Et oui. Allez, ciao, ciao.